Bonjour tout le monde, c'est Jake sur Ivason Studio. Et je parle trop fort encore une fois. Là, je baisse la sensibilité du micro. J'espère que vous allez bien. On est jeudi et je suis en retard. Allez, on poursuit l'aventure Spyro. Là maintenant, on réfléchit pas. Nous avions fait les trois premiers mondes hier. On va enchaîner avec le monde 4. En espérant que ça se passe un petit peu plus mieux. Parce que hier, quand même, c'était... Bah, ça s'est bien passé hier, mais il y a eu des fails nuls, quoi. Vraiment, des... bon, en même temps, c'est moi qui joue, c'est normal. Il y a des fails bien nuls. Nous voilà dans cette zone marécageuse qui se nomme... Le monde des créateurs d'animaux. Dans un marécage. C'est normal. Et nous avons 300 cailloux à trouver, deux dragons, bien sûr les mondes, enfin les niveaux qui sont liés. Alors, lâcher du feu c'est ça, foncer c'est ça, sauter c'est ça, et planer c'est ça. Voilà. On a retrouvé les touches, on est bon. Si mes réglages audio ne sont pas bons, veuillez m'en faire part par courrier recommandé avec accusé de réception. Hop là, on commence. Paul, viens là. Voilà, c'est content qu'on a pas mangé un bucket de poulet. Riff. Faut qu'on peut tomber là-dedans. Ah non, c'est que de l'eau. Mais il y en a certains, on va devoir aller. Ah oui, c'est vrai que ces plaques-là sont électrifiées. Bonjour. Voilà. Des plaques électrifiées, en gros c'est du rythme. Alors. Premier Drake, il se nomme Bruno. Je m'attendais pas à ça. Nastig Nork transforme notre marais en décharge électrifiée. Oh, et qui était si beau. Je n'en doute pas. Bien. 300 cailloux, hein, on a 300. C'est relativement beaucoup quand même, 300. C'est nul comme expression, relativement. Relativement, ça veut tout rien dire, quoi. C'est tellement large, alors que on l'utilise dans le sens... Ah oui, quand même, c'est beaucoup, quoi. Alors, cette zone a fait planeur, oui. Ah, faut faire attention. Ça pour ça quoi. Oh, oh, oh. J'avais pas vu que ça avait tout derrière. Ah là là. Il n'y a vraiment plus de saison. C'était un sanglier. Les sangliers qui vivent dans des marais bien sûr. Tout le monde le sait, tout le monde est au courant. Est-ce que ça passe là ou il faut que je fasse un peu le tour avant? Je partirais bien là quand même. Sanglier rôti à la broche. Oui. Ah voilà, celui-là on peut descendre, c'est ça. Wow, il m'a fait peur lui. Je ne m'attendais point à cela. Je crois que pour tout le reste du jeu et jusqu'à la fin, on n'aura plus besoin de chercher des voleurs bleus avec des œufs. Je crois, j'en suis pas persuadé. Et j'ai un vague souvenir comme ça. On fait plus. Allez. Et on a eu raison. Ah! C'est la zone du vol, génial, je suis content là. On en sort comment? Ah, ils ouvrent, ils ont mis un tourbillon. Les tourbillons. Ben non, on l'avait pas pris. Puis-je bête.
Clitus. Spiro, content de te voir. Je pense que vous entendez le retour de la télé. Je vais bouger le micro. Ça, je recule. Ça, je le mets là. Ça sera peut-être mieux pour vous. Voilà. Peut-être pour moi aussi, en fait. On verra. Pendant qu'on attend les gens, là, je vais bien, je... Alors, la carte me dit d'aller là-bas. Tac. Voilà. Pauvre petit sanglier. Il y en a encore un. Ah non. Ah. D'accord. J'avais pas vu le caillou, j'allais le rater du coup. Et là, on a encore un niveau. Mais on va essayer de pas passer dedans. Voilà. Oh mon dieu, c'est une poule en fait. C'est confondu avec un sanglier. Faut faire qu'il y a un confondu en sanglier avec une poule. C'est pas ouf. Hein. Pas fifou. Là, il faut la clé. Faut la clé. Est-ce que là on tombe? Non, c'est de l'eau. Faut pas y aller. Mais lui là-haut. Ah, il est loin. On va attendre un coup. Voilà. Maintenant. Pour l'instant ça va. Ah, maintenant on comprend pas comment là. Parce que ça à la limite, oui, on peut y aller. Pour revenir, c'est... Ouais. De... Ah, et de là-haut là-bas. D'accord. Bon, déjà on va nettoyer lui. Voilà. Et il va nous entraîner sinon. Oh 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 oh. Ça c'est juste hein. Bon ça va. C'est nickel. Donc là ça sera pour aller au monde. Bon, on va pas lui parler. C'est tellement triste, tous ces dragons encore piégés dans le cri. Peut-être que quand tu auras sauvé 50 dragons, je serai moins triste. T'inquiète pas, on va les avoir. Mais avant ça... Avant ça, faut qu'on termine ça. Alors, il nous manque... 61. 61... gemmes. Ou cailloux. J'ai fait un tour pour rien quand même. Et là il s'agit de bien viser là. Donc vous voyez sur la mini-mini-map en bas à gauche, il y a trois points en haut à gauche de la mini-map. Ce sont les trois troncs qu'on vient de faire là. Et là-bas vous voyez il y a un tronc, celui-là là. C'est en plein centre. Et celui-là c'est juste du décor, c'est pas partie de la map. Donc faut faire attention. Allez go. Et la clé. Voilà, et maintenant on revient comment? Oh là là. Non! Non, ce qui remonte. Oh. Oh là 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 là. Heureusement que ça nous conserve nos items.
Et la clé surtout. Et la clé. On reprend au début. Ah, la poule elle s'est fait électrifier, la pauvre. Pauvre poulette. Jusque là ça va. Ce petit pont de pierre. On a tout là. Non, il en manque une. Comme l'autre fois, quoi. Il en manque une. Bah. Alors là, on va galérer. Une gemme. Allez, elle est là, elle est là. C'est bon. On est safe. C'est bon, c'est bon. Voilà, alors maintenant on va pouvoir faire les vrais niveaux du monde. On a déjà repéré les portails. Oui. Hop là. Donc il y avait celui-là. C'est parti pour le village terrasse. J'allais lire terrassé et je me suis dit mais il y a une faute. Non, c'est le village terrasse, donc le village des terrasses en fait. Et non pas le village des terrasses. Le village des terrasses. Ouais, je sais, blague nulle. En même temps, c'est le début quoi.